Lorraine de Susvielle, le coup d'envoi de la saison des prix littéraires a donc été donné hier par le prix Fémina, attribué à la quasi-unanimité à Philippe Lançon. Tout à fait, pour ce livre, Le Lambeau, aux éditions Gallimard, pardon, un livre très fort, très dur aussi, où il revient justement sur l'attaque du 7 janvier contre Charlie Hebdo. Il a été gravement blessé au visage et sur sa lente reconstruction. Il est venu récupérer son prix hier, vous voyez ces images. C'était sa première apparition publique devant des journalistes depuis les attentats de 2015. Nous y étions et il a eu une pensée pour son père. Quand j'étais à l'hôpital il y a un peu plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi, une des personnes qui m'a évidemment beaucoup soutenu, c'est mon père. Et il est mort le jour où je recevais les épreuves de ce livre. Donc il n'a pas pu le lire. Et c'est à lui que je pense. Voilà, on écrit évidemment avant tout pour les vivants, mais en pensant aux morts.